Ce matin, je suis sur la commune de Vis-en-Artois pour te présenter une nouvelle maison. Alors, je suis en plein milieu du village, tu vois, là c'est l'église, derrière moi tu as la mairie et puis l'école. C'est un bourg avec pas mal de commodités. On a 652 habitants. Je peux te dire que Vis-en-Artois, ça fait partie de la communauté de communes d'Ozartis. C'est un beau bourg qui est dynamique, on a un RPI avec les écoles. Les plus petits sont sur Vis. On a une poste sur Vis, un carrefour, un cabinet médical. Enfin, vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour vivre sur place tranquillement. On part en visite, go! Oui, je me permets de m'asseoir sur le canapé. Tu as vu la taille de ce canapé d'angle? On est dans une maison qui est très très grande, il y a des beaux volumes. Rien qu'entre le salon et la salle à manger, on a quasiment 80 mètres carrés. Allez, on fait une pause au milieu de toutes ces belles images. T'as vu, on se croirait dans un magazine de décoration ici. On est dans la salle à manger. Tu as remarqué le poêle à bois. C'est un poêle à bois Gaudin. Il est revêtu de céramique. Il est aussi efficace que c'est un élément de décoration. Nous voilà maintenant dans la cuisine qui est juste à côté de la salle à manger. Super pratique. C'est une cuisine équipée. Et tu vas voir sur cette gazinière, tu peux directement faire griller ta viande. Incroyable, il y a un grill intégré, 4 feux, four, plaque, tout ce qu'il faut pour préparer un bon petit plat. On continue la visite à l'étage, c'est parti. Me voilà sur le palier. Alors je te dis palier, c'est une véritable pièce de détente ici. Il y a 28 mètres carrés, on est sous les combles, on a une magnifique charpente, tu verras sur les images juste après. À l'étage, on a 3 chambres et la salle de bain. Allez, je te montre la chambre principale. On a des belles pièces partout, t'as vu à l'étage aussi, le parquet il est conservé sur tout le niveau, il est en parfait état. Et maintenant on file dehors parce que les propriétaires ont pris soin de la maison à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Je termine la vidéo sous le noyer, un magnifique arbre. Je suis sûre que tu as apprécié la décoration soignée et les beaux volumes de cette belle maison. Le jardin aussi est très agréable. Voilà, merci. Le coq confirme. Tu veux en savoir plus, tu veux visiter, tu me passes un petit coup de fil ou alors il y a toutes les coordonnées dans les commentaires. Bon après-midi.